Oui, je suis Jean-Marie Moutet-Takiabou, le coordonnateur principal de la jeunesse dans Ensemble pour la République au Tanganyika. C'est quoi la raison de mettre ici? La raison ici, c'était de rencontrer le coordonnateur adjoint de la cellule de plantation de notre parti, qui a fait au moins 21 jours ici chez nous au Tanganyika. Ça tombait juste après notre nomination qui a deux semaines et on a jugé bon de venir lui rendre nos civilités parce que c'est une occasion qu'il est au Tanganyika, qu'il pourrait repartir et n'est pas encore venir ici. Au milieu de notre entretien avec le coordonnateur de la cellule de plantation, c'était d'abord lui donner notre plan d'action, comment est-ce que nous allons évoluer, quelles sont les techniques que nous allons prendre pour l'encadrement de la jeunesse, qu'est-ce que nous comptons faire pour bien amener la jeunesse dans le parti Ensemble pour la République. Et nous avons opté ensemble avec lui une technique que nous avons appelée technique d'arrondissement, que lui aussi a appelée technique d'araignée. Et il a été très cool par rapport à notre appréciation, il a été très content. Pourquoi ? Parce qu'il a trouvé que la technique que nous lui avions proposée, c'était une bonne technique. Il a dit aussi qu'il fallait ajouter avec l'implantation des cellules. Aux jeunes du Tanganyika, un petit mot oui, aux jeunes du Tanganyika, qu'ils nous accompagnent, qu'ils soient tous derrière Moïse Katumbi. Pourquoi ? Parce que la jeunesse se retrouve dans Moïse Katumbi. Sans la jeunesse, ensemble, c'est rien au Tanganyika. Merci.